à toutes et à tous et bienvenue à UGC Ciné Cité Léal pour cette avant-première du film Swallow, qui est un film qui sortira le 15 janvier, un film de Carlo Mirabella Davis. Et je vais sans tarder laisser la parole au distributeur du film, Stéphane Auclair. Bonsoir, merci beaucoup. Oui, quelques mots qui s'imposent pour nous, qui sont tellement contents de sortir ce film dans un mois. Donc d'abord, je remercie le cinéma, UGC en général, UGC Ciné Cité Léal, de me permettre de faire une avant-première un mois avant la sortie, 30 jours exactement, ce qui est assez rare. J'en profite pour remercier des Français qui sont intervenus assez en amont du film, qui sont dans la salle, le Grand International et le coproducteur français, Charade et Logical Pictures, de nous avoir permis de représenter ce film. J'espère que ça se passera bien dans un mois, on en parlera avec eux. Je remercie vous, public aussi, qui statistiquement, en fait, c'est une salle pleine que je vois, même s'il y a des sièges qui sont vides, mais il faut savoir que la salle, le cinéma actuellement, là, il se passe des choses, vous savez, un petit peu dommageables pour certains commerces, et je crois que le cinéma perd près d'un tiers, parfois plus d'un tiers des entrées. C'est le tiers qui n'est pas venu ce soir, donc on pensera à eux, et j'espère que vous prodiguerez la bonne parole, qu'on vous leur parlerez. Moins rigolo, c'est que ces problèmes actuellement à Paris nous ont coûté la présence, ou du coup l'absence, de la comédienne Hayley Bennett, qui était prévue encore aujourd'hui pour sa venue à Paris. Elle n'aura sans doute même pas demain, alors qu'elle était là pour deux jours en théorie. Donc je suis désolé, Hayley Bennett, la comédienne principale du film, elle donc, pour qui ne la connaît pas, n'est pas là ce soir. Donc je suis sincèrement désolé. Par contre, il y a quelqu'un qui est venu, lui, qui a pu venir depuis New York, qui a pensé le film, qui l'a écrit, qui l'a réalisé, qu'on est très très content d'accueillir, je vous demande d'applaudir, c'est Carlo Mirabella Davis. Carlo va nous présenter un petit peu le film, Caroline va traduire pour ceux qui ne sont pas tout à fait bilingues. Merci. Bonsoir. Je suis très très content d'être ici. I want to thank you all so much for coming to see the film. It means so much to me. Thank you for being here. I hope you enjoy it. And I want to thank UFO for bringing our film to France. They've been such an incredible steward of this movie, and they've really poured their hearts and souls into distributing it and promoting it. So thank you to UFO. Donc merci à tous d'être venus ce soir, c'est vraiment très important pour moi de pouvoir présenter ce film ici. Et je voudrais commencer par remercier UFO, bien sûr, qui ont donné leur âme et leur temps à la sortie de ce film. I also have to thank my incredible investors, Charades and Logical. You know, when you make a film, you hope that someone will come along who believes in it and wants to bring it into the world. We had trouble raising the money in the States, and we were so lucky that two French companies came in and made the film a reality. So thank you to Charades and Logical for believing in our strange little film. So thank you. Et bien sûr, bravo et merci surtout à Charade et Logical, qui sont deux entreprises françaises qui sont les investisseurs de ce film, parce que quand on fait un film, on espère toujours voir quelqu'un qui va aimer et soutenir le film financièrement. C'est le cas, donc je les remercie chaleureusement. I also have to thank my producers Molly Asher, Minette Louis, and Hayley Bennett, of course. Amazing artist and collaborator. Hayley poured every iota of her being into this film, and I'm so excited to share her performance with you, which I think is a real tour de force. Et je dois remercier mes deux producteurs, Minette Louis, Ashley, Molly Asha, et surtout, bien sûr, l'actrice principale de ce film qui a tout donné d'elle-même pour incarner ce rôle, et je pense que vous allez voir par vous-même. So, this film is very near to my heart because it was inspired by my grandmother, who was a homemaker in the 1950s. In an unhappy marriage, who developed various rituals of control. Et donc ce film, ça m'a été inspiré par ma grand-mère, qui était une ménagère dans les années 50 et qui avait des troubles psychologiques, des troubles obsessionnels compulsifs liés à la propreté. So she was an obsessive hand washer who would go through 4 bars of soap a day and 12 bottles of rubbing alcohol a week.
And I think she was looking for order in a life she felt increasingly powerless in. Et donc elle consommait jusqu'à 4 savons par jour, 12 bouteilles d'alcool ménager. Et je pense que ce qu'elle exprimait à travers ça, c'était une façon de mettre de l'ordre dans une vie qui lui échappait de plus en plus. But hand washing is not very cinematic. So I remember I saw a photo of all the contents of someone's stomach who had pica fanned out on a table like an archaeological dig. And I was fascinated. I wanted to know what drew the patient to those artifacts. It almost seemed like a mystical experience, like a holy communion, and I wanted to know more. Et donc, c'est pas très cinématographique, bien sûr, de montrer quelqu'un qui se lave les mains 12 fois par jour. Donc, je me rappelle avoir vu le contenu de ce que quelqu'un avait ingéré et qu'on avait donc retiré de son estomac. Et ça m'a fait penser à des fouilles archéologiques, quelqu'un qui souffrait du syndrome de pica. Et donc, ces objets, ces artefacts, d'une certaine façon, semblaient comme une sorte de communion. And last, I just want to mention again about Haley Bennett. You know, I saw her in Girl on a Train, and I thought she did an incredible job, and thankfully she agreed to make the film. And Haley is so good with layers of emotion. In the film, you'll see that Hunter wears multiple masks simultaneously. The first mask is reflecting normalcy, this sort of placid smile. The second mask is like her pain, her doubt, is this where I belong? Her third mask is the primal self, her true self, threatening to emerge. And Haley can give you all of those emotional layers with just the touch of her hair or the twitch of her eye. And so I'm really excited for you to see her performance. Et bien sûr, je veux rendre hommage à mon actrice principale, Haley Bennett, qui fait un travail formidable parce qu'elle arrive à exprimer différentes couches d'émotions. C'est-à-dire la première couche, c'est le reflet de sa vie dans la normalité. La deuxième, c'est ses souffrances, c'est ses doutes. Et la troisième, c'est comme son être primal qui s'exprime. Et tout ça, ça passe par juste une main dans les cheveux ou un petit clignement de l'œil. C'est vraiment un travail remarquable. So I hope you enjoy the film. It's a movie about someone who has this quiet rebellion that starts like a pebble that leads to an avalanche. And I hope you enjoy it. And thank you again so much for coming out to see it. J'espère que vous allez apprécier ce film. C'est une petite révolution tranquille, si on peut utiliser cet oxymore, et ça se transforme en véritable avalanche. Donc merci encore à tous d'être venus et bon film. Thank you so much. Bonne projection à tous, et je rappelle que le film sortira le 15 janvier.